Bienvenue sur Ne mourons pas de faim ensemble, un jeu de survie où c'est généralement pas la faim qui te finit. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, pas Wilson, qu'est-ce qu'on a d'autre? Willow, j'aime bien le prénom, Wolfgang, hey Willow! Les choses sont tellement bien plus jolies quand elles brûlent, pourquoi j'ai pris cet accent? On va ramasser ces petites branches au KLM, la carotte, et c'est parti, oui! On met le feu, on tourne autour, on met le feu, on joue comme des impins. Ça c'est trop bien, ça c'est du roleplay. Ah, oh, saloperie de feu! Attends, vas-y, je prends ça, vas-y, crame le danon, crame le, reviens par là, petit danon, n'aie pas peur, reviens, l'enculé, il bouffe mes bébés, eh? Tu veux les manger? Bah vas-y, hein, reviens la prochaine fois, t'inquiète pas. Allez, on se casse, bisous. Il commence à faire sombre. Alors, j'ai une bonne vieille technique de scout. Eh, pour avoir de la lumière, on brûle tout. On crame. Oh putain, à chaque fois je prends feu. Allez, oh, fais chier, cette fois peut-être que j'a... Non, toujours pas. Allez, courage, Benzé. Ouh, oh putain, j'en ai marre de cramer à chaque fois je mets le feu. Ah, un arbre. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, eh. En plus, le pire, c'est que j'ai vraiment, vraiment fait partie des scouts, les amis, hein. C'est vrai. Donc voilà. Bon, par contre, j'ai pas encore mis... Oh! Eh, c'est parti. La ruche on fire. On va prendre les baies, histoire de pas crever de faim. Et oh, et ça, c'est du beau travail, ça. Là, au moins, on a de la lumière pour toute la nuit. On peut tenir au KLM. Ça m'étonnerait qu'on meure de faim. Eh, au final, ce jeu est quand même ultra simple. Ça y est, il y a tout qui commence à prendre feu sans moi, mais... Là, oh, même moi je prends feu sans déconner. On va ramasser cette petite carotte au KLM. Nickel, et ben voilà. Ça, c'est facile. Première nuit terminée. Easy peasy. Tiens, des grenouilles. Ça me fait pas peur. Ça. On tue, on prend la pâte. Nickel. Une bonne vieille coutume de français. Ramassons les baies par terre. Esquive de l'... Oh, wow. Je suis en train de me faire lécher, mais pas du bon côté. Hein. Allez, plus qu'une. Et c'est... Je suis mort face à toi. Saloperie de grenouille, je vais te hanter jusqu'à la fin des temps. Bon, on réessaye. Wilson, non. Willow, pas bonne idée. Wolfgang, non plus. Wendy, et hanté par sa sœur jumelle. Ça me plaît. Allez, c'est parti. Wouh, trop bien, de la merde. Avec des buffalo tout autour. Ça, c'est génial. Honnêtement, dans le jeu, dès que tu trouves du caca, t'es refait, ça va te servir d'engrais. Par contre, va pas faire des bisous aux buffalo quand ils ont le cul rouge. Et vous, Benzébut, quand vous est venu le goût de la merde? Hey, des monsieur pour le roi. Mais attends, ils veulent me défoncer ces enfoiros. Ça se passera pas comme ça. Vous voulez me défoncer? Ok les amis, vous allez voir ce que je vais vous faire. Allez, cassez-vous. S'il te plaît, ne me frappe pas en plus, saloperie d'homme porc. On va prendre une petite torche. Et c'est parti, je vais cramer votre merde, moi. Ah, ça s'est pas franchement passé comme prévu. Et je suis mort, encore une fois. On se laisse pas abattre, hein. On va essayer de dépasser les deux jours cette fois avec Weber. C'est un monstre. Hey, ça me donne envie. Je pense qu'on peut faire des choses plutôt sympas avec cette bestiole. Si je suis un monstre, je suis trop mignon, je fais coucou. Il y a des hommes porcs qui tabassent des hommes reptiles. Bon, je prends comme au baby-foot, hein. Je prends ceux qui vont gagner. Oh, du poisson, parfait. Je sais pas si c'était quoi. Ah, des pattes de canard. De canard. Des pattes de grenouille. Oh merde. Oh putain. Les hommes porcs, ils me détestent. Genre, ils me font plus de dégâts que je ne leur en fais. Et oh, wow, calme-toi mon grand. Calme-toi. Je vais essayer de... Non, j'ai même pas le temps de prendre ça. Vas-y, casse-toi. Tu fais bien de partir, hein, sinon je vais te défoncer. Et... Mais attends, tout me tue là. Tout me fait des dégâts. Je prends un petit cactus. Je me grise sur les épines. Je suis un putain de monstre. D'accord, même le... Oh putain, même le buisson m'a défoncé, il me reste un PV. Eh, j'ai connu pire que ça. Un PV easy peasy. Une petite chèvre. Y'a pas de mets, ma grande. Viens par là. Allez, run, cours, Forest, cours. Chope-moi cette chèvre. Non, elle ne doit pas s'échapper. Tu ne te s'échapperas pas. You can run, but you can hide, bitch.
Scary Terry. Allez, chope-moi cette chèvre. Chope-moi cette petite bestiole là. J'adore quand est-ce qu'elle saute. Bim, bim, bim. Ça me fait penser à mon peuil. Bim, 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 bim. Eh, oui, tu ne peux pas t'échapper. Eh, elle est coincée. Eh, elle se défend pas. On mange de la chèvre ce soir. Eh, eh, je suis mort. J'ai tenu seulement un jour. Bon, le seul moyen de faire pire, ça serait de mourir au portail. Et avec qui on va prendre? Wigfried, une combattante qui n'est pas du tout vegan et dont on ne peut pas assumer son genre non plus. Oh, un terrier, qu'est-ce qu'il y a dans ce truc? Putain, saloperie d'arme, mais casse-toi, tu vois. Tu vois pas que tu gênes? Allez, on va couper ça, ouais, parce que je déteste en fait faire tourner la caméra. Après, je suis complètement perdu, je sais plus où se trouvent les trucs. Je suis un malade, moi, hein. Tant que je sais pas ce qu'il y a là-dedans, je vais tout cramer. Je te promets que je vais tout cramer. Tu sors, hein. Je t'attends. J'ai même fait tout mon campement autour de toi. J'ai jamais réussi à tenir aussi longtemps pour le moment sur mes vidéos. À chaque fois, il y avait une couille qui se passait. Et toi, mon grand, t'es caté. Je t'attends ici. On va savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Je te le promets. J'ai perdu ma sauvegarde. Nous ne saurons jamais ce qu'il y a dans ce terrier. Bon, allez, on est reparti, il y a Woody. Woody qui a un terrible secret. Ah ouais, j'ai remis le jeu en anglais, c'était plus simple pour moi plutôt qu'en français. C'est quoi son terrible secret? C'est qu'il est roux. C'est ça son putain de secret. C'est que c'est Chuck Norris, roux, bûcheron, vénère. I have a soul. Ginger, I'm proud of it. Comment ça, tu veux pas couper plus de bois? Non, hey, tu vas te calmer de suite, mon grand. Ok, donc les roues peuvent se transformer en castor. Je pense que c'est la base. C'est une putain de shadow là qui me court après. Et je suis mort tué par une putain d'ombre après 2 jours avec un roux. GG. Allez, on repart cette fois avec Wendy, mais on va ouvrir le monde pour que tout le monde puisse nous rejoindre. Donc les randoms, n'hésitez pas. Elle est trop mignonne, cette petite Wendy. Donc ça, c'est mon premier ami, une vieille dame qui m'a rejoint. Alors, on est en pleine discussion, tout ça. On devient les meilleurs amis du monde. J'ai pas l'impression qu'ils connaissent réellement le jeu pour le moment. Mais c'est pas grave. Ça, c'est notre première nuit ensemble. Regardez comment on est mignon. On tourne autour du feu. Eh, les deux meilleurs amis. Dommage qu'on n'ait pas des polochons. Journal intime. Jour 2. J'en ai déjà marre d'elle. Allez, on va tester. On va la kick. C'est la première fois que je vais faire ça. Et... Internet n'est pas une démocratie, les amis. Elle est revenue. Et j'ai commencé à lui faire à manger juste pour m'excuser. Hein, ça, c'était pas sympa de l'avoir kické comme ça. Il connaît absolument rien au jeu. Il me balance un gros nice en caps lock parce que... Merde, j'ai mangé le lapin. Je peux plus faire à manger, quel con. Ça, c'est notre nouvel ami, un roux, qui ne connaît pas le jeu non plus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il reste monté là, regardez, il bouge pas le con. Et... C'est... Putain, il s'est transformé en castor lui aussi. Oh le con! Retournons au camp et voir si jamais il a réglé ses problèmes de castor et de roux. Ah. Il est parti se cacher pour crever comme les oiseaux. Il allait mourir derrière notre coffre. Ce qui est super sympa de sa part. On a réussi à tenir une semaine et on est 4, on a un campement, on a tout ce qu'il faut, on peut faire sécher de la viande, on a un paratonnerre, on peut faire des boulettes de viande. J'ai un très très bon pressentiment pour cette partie. Il commence à faire nuit, on va rentrer au KLM. Ça c'est le chemin, hey, on a juste à suivre. Hey, salut toi, comment ça va? Ah. On croise une petite fille qui se fait courser par un loup sur le chemin. Peut-être le chaperon rouge, on ne sait pas. Cool, ils ont allumé le feu, c'est génial ça. Allez. Sans déconner. Ils ont tout cramé les enculés. Oh putain, bordel. J'ai tenu 8 jours et ils ont tout brûlé. Mais... Oh, qui c'est qui a fait ça? Quel est le... En plus, mon meilleur ami vient de partir. Quel est le putain d'enfoiré qui a fait ça? Jeu de merde, non mais sans déconner, non mais allez, si c'est comme ça, moi, je me casse, allez, bon, allez, salut, bye. Voilà mes petites gueules, c'était Ne meurs pas de faim, et surtout pas avec d'autres connards. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.
Social media keeps banning nipples even for breast cancer awareness. It's time to speak louder than censorship. Everybody loves boobs.